On en revient là où on en était. Il y a de l'eau sur le tapis, je vais hurler. Ah, ça m'en ouf. J'aime pas ça, bordel, tu fais de la merde. Voilà, c'était de la peur, en vrai, si t'aimes pas l'humour absurde, tu risques de te faire chier mon frère. Hein. Ouais, c'est... Serpent géant. Résistance au poison. C'est où? Là? Pour lui faire sa petite saloperie là. Quelque chose de pas qui fait un bienvenue tout le monde, ça va les gars? Désolé, hein. Je suis un peu. Démarrage, j'y ai pas facile aujourd'hui. Putain, je fais que des conneries. Sorry. J'adore cette potion là. Genre c'est de la dope, ça se pose quand même là ce truc là. Hein. Pour lui faire son anti-poison de mort. On va pas être mauvais. Merde. C'est de la merde cet anti-poison là. Hop, on se fait de la passe. Voilà. Donc le monsieur, il voulait de l'anti-poison, il lui donne de l'anti-poison. On va combattre des serpents géants. Ça raconte un peu le type. Hein. Alors, on va essayer de monter à 500 aujourd'hui. On va serrer plus de 12. Ensuite, une fois que ce sera fait, on va essayer de vendre à balle des produits pour des voleurs, des assassins et tout, pour descendre en réputation. Au minimum, enfin, deuxième succès, je suis à faire, et ensuite bah, le bail ce sera de réussir à faire pierre, enfin toutes les pierres différentes, tous les trucs possibles. La sœur de ma porte d'entrée est bloquée. Comment entrer chez moi maintenant? Vous n'avez pas une solution? Si tu peux faire fondre ta porte, solution d'acide. Voilà, on est là, on se pose là. Ça part, cette porte qui grasse me rend fou, le bruit si fort qui me réveille toute la maisonnée. Faut de quoi l'agresser. Alors elle avait de la graisse. Ça glisse. Hop. Où quand la vienne. Ouais non, après je pense que... Je pense que c'est... pas spécialement évident, ouais. Pas spécialement évident de réussir à se faire ça, mais bon. C'est quoi le prochain truc que je dois faire, on me demande? Le sel solaire et l'œuf rouge. Le sel solaire, c'est celui-là. Ou l'œuf rouge. Oh, les deux sont chiants, mon ami. Le sel solaire, il a l'air d'avoir moins de trucs. Pourquoi faire le sel solaire? Bon, c'est pas mal. Parce que j'ai rien d'autre. Ah, ça me joue. Ok, on passe la night. Alors. Qu'est-ce qu'il veut lui? On va voir ce que tu vends, mon pote. Je peux.
Ça va me coûter un bras et demi. Hein. Notez ce que je viens de vous dire. Faut que je me bourre. J'en ai trop besoin. J'ai toujours le cochon pris une séance d'entraînement, j'ai pas le temps de me laver, c'est possible de marquer, de masquer l'odeur, pardon, avec un doux parfum. Lui, il veut un petit Chanel numéro 5. Tiens, Makai. Ça fait plaisir. Niveau thune. On monte notre réputation. Je donne une potion de protection contre les coups de soleil. De protection contre les coups de soleil. J'ai une petite protection contre le feu. Ça? Ok. Salut Jésus Grim. Les nains toujours autant des avares, se creusant dans les profondes mines, terminent toujours par faire une rencontre avec les pauvres. Comment ça va? Bienvenue, bienvenue. Que ça va bien. J'ai une diarrhée assez sévère, vous avez de quoi la soigner? Ouais. La petite popo qui met bien, les gars, on connaît. On connaît. Ah, alors lui, il va essayer de me vendre des bordels, mais évidemment. Je vais lui vendre ça parce que. C'est de la merde. On va se le dire. 283, je suis large. 245 aussi. Ça me gênera pas d'en avoir plus de cela. Cela, je m'en sers pour son. Je vais essayer de pas trop me faire tabasser. C'est de là, on s'en fout. Il y a moyen que je m'en sorte. Celui-là, il est cool, je le prends, mais il y en a qu'un. Le reste, j'en ai plus de 100. Ceux-là sont bien aussi, mais en négociant, j'ai réussi à avoir des prix de fou. Voilà. Je me porte bien avec vous, palefrenier. Ma foi, très bien. Très très bien, même, je tiens. Vous êtes nouveau sur la chaîne. Bienvenue, monseigneur. Oh, mon Luc, comment il va? Vous coincez le doigt sans faire exprès, ça fait mal de chien, vous pouvez peut-être m'aider. Toujours pareil les gars, la popo qui met bien, valeur sûre. Non, on va faire 2-3 d'avance, parce que ça me fait chier à chaque fois de les refaire. On négocie pas, on essaie de monter la réputation. Mais mon voisin a brûlé après avoir été frappé par la foudre, du coup j'ai réfléchi, je veux pas que ça m'arrive, vous avez une protection contre la foudre et les éclairs. Bien sûr. Hop, un petit parafoudre, c'est pas celle-là. Je vais affronter un géant ou une potion capable de me rendre tout aussi énorme. Ainsi, le combat, ce serait loyal. J'ai une potion unique en ce genre avec des effets supplémentaires. Alors, lui, il veut une potion d'agrandissement. Avec des effets en plus. Bon, bref, on va te mettre un antigel dessus. Moi, ça me va. Ça me fait. J'ai besoin de monter ma répute. Le fait d'accéder aux requêtes un peu spéciales comme ça, des gars, ça va me permettre de le faire. Donc, let's go. Là, maintenant on va faire du fou à droite. Souris hier trop bulé. Bah, souris de quoi gros? Eh gros, jamais je vais te prendre la tête, tu sais très bien. Hein. Sérieux, tu t'excuses? C'est mal me connaître. Incroyable, les gens ils s'excusent comme si genre. Jamais. T'excuseras le jour où t'auras chié dans mon frigo. Là, t'auras une bonne raison de t'excuser. Hein. Pour l'instant, au lieu de t'excuser, en tout. Ouais, c'est. Il veut gagner la confiance d'un criminel, il veut trouver un moyen de l'ensorceler. Mon gars, avec ça, tu vas même pouvoir te faire. Ah, bref, t'as compris. Je vais te frotter un monstre cracheur de feu, j'ai besoin d'une protection contre son souffle mortel. Cracheur de feu. Tiens. Ça y est, la gueuserie, elle a foutu le camp. Ok, on continue. On va aller à 500 le plus vite possible. Bienvenue tout le monde, les gars, je sais que vous êtes pas mal.
toutes les plateformes du coup. On a du monde sur Kick, on a du monde sur YouTube, on a du monde sur TikTok, on a du monde sur Facebook, on a du monde sur Twitch évidemment. Bienvenue tout le monde. Ça fait grave plaisir de voir du people. Avec une potion qui m'aidera à combattre un dragon de glace, je risque d'avoir du mal à m'en passer. Alors, il veut peut-être de l'anti-glace. Mais en vrai, moi je pense qu'il veut surtout un truc pour lui foutre le feu au cul. Est-ce que je suis dans le bon? Non, il veut juste pas se faire geler les biches. Ok. Ça part mon pote. Hop. Quoi? Ah, tu veux pas plus de deux types d'ingrédients? T'es pas un relou, toi. T'es clairement pas un relou, en fait. Si je fais ça, en vrai t'es pas content, dégage, hein, tu me sautes. Va pas chier. Une potion qui rend fort. Je comprends pas du tout pourquoi le mec il pète un steak comme ça là. Tiens. Je vais apprendre à lancer des sorts de lévitation, je vais donc devoir étudier une potion avec un effet similaire. Il paraît qu'un ingrédient utilisé avec ce genre de potion. La jupe fantôme, je vous permets plus cher si vous utilisez cet ingrédient. Alors on va checker si on en a de la jupe fantôme. Bah, boum, ok, on est dessus. Du coup, il veut quoi? Un truc de lévitation. Ce qu'on fait, c'est qu'on va checker. Hop. On rajoute une jupe fantôme. Terminé la recette. On retourne voir le type. Ça part. Lui, il va vendre des champignons. Super. 145. Cela me sert beaucoup quand même. J'essaie de pas me faire tabasser, mais. J'avoue, des fois, ils vont des trucs, oui. Méga intéressant, mais en même temps. En vrai, je m'écoute là, il y a. J'achète beaucoup trop de trucs, je pense. Si je m'écoute. Petite bouffe, je m'en sers pas trop. Les tronches non plus. Le prix, il est pas cher, je vais en prendre. J'imagine que vous êtes en fin de partie. Merde, je crois. Attends, je suis fucked up un peu. Sénéchal Grimm et Jésus Grimm, vous êtes la même personne? Vous êtes deux personnes différentes alors que je suis totalement fucked up, j'ai rien compris. Mais disons que j'ai bien avancé, je pense. Après, dire que je suis en fin de partie, je serais pas. Je pense que je suis pas loin de la fin. Ouais. Je pense. Ouais, je saurais pas dire exactement. Je suis sur un négoce parce que si je me goffre, oui, c'est ok. Mais ouais, on a pas mal avancé. On peut donner une idée, regarde. C'est pas compliqué en vrai, t'as vraiment avancé, tu la vois. On a fait le. Il faut faire tout ça à peu près, je pense. Ah, ok, d'accord. My bad. Je me demandais du coup, je suis dit mince, j'ai Jésus Grimm et d'un coup j'ai signé chaque game, ça se ressemble, mais c'est peut-être pas la même personne, mais ok, d'accord, ça me chie, tu vois. Il fallait faire l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre jaune, l'œuvre rouge et la pierre philosophale. Moi j'ai fait l'œuvre jaune. Je suis arrivé ici à l'œuvre rouge. Et ensuite je ferai la pierre philosophale. Mais tu as des sels que tu peux ajouter à ça. Ils sont ici. Celle du néant, celle lunaire, celle solaire, celle vitale. Et je pense qu'à la fin, il doit en rester un dernier encore. Je suis pas certain qu'il va pas en avoir un qui va s'ajouter. Donc j'ai encore 3 sels à faire et 2 pierres. Je pense pas que j'aurai le temps de finir aujourd'hui. À moins que. Après, je dis pas. Hein, rapide. Mais on va voir. Elle a du bois bandé. Ça part. J'ai pas avancé dans mon travail ces derniers jours. Oh! Alors, j'ai un bug dans mon alerte. Mais c'est pas grave. Oh! Let's go, Suki! Merci pour le Prime. Comment ça va? Ça va bien? Hey, hey! J'ai pas avancé à mon travail, c'est un jour je me sens ailleurs, comment continuer dans ces conditions? Alors lui, il veut la fameuse potion chiante. Celle-là. Potion d'inspiration. Et archi relou à faire. Ça va super, ouais, je te remercie. Merci beaucoup pour le prime, c'est grave cool. Merci à toi, jeune gueuse. Tu es bien bonne, ma vie. Alchimie, j'ai un problème, je suis terriblement maladroit, il faut une potion pour ça. Il est maladroit. Une potion de dextérité. Hop, hop. Il manque d'inspiration, mais bien sûr. Ah bah écoute.
Il veut empoisonner des rats et d'autres vermines de ce genre. Attention, monsieur. Hein. Pas empoisonner des gens. Je voulais prendre un petit pétard. Ouais, c'est une potion à base de CBD en fait. Hop. Alors, j'ai besoin d'enchanter un objet pour augmenter la force physique de son porteur. Il faut une popo qui correspond aux ses recherches. Hop. On dirait un moine. Merci. Mec, il me prend des shrooms. Alchimiste, avez-vous des potions de soins? Oui. Ah, elle veut une popo aux effets multiples. Dans ce cas, hop, on va lui mettre une popo de soins. Ce serait rigolo de popo de soins et de poison. Je sais pas si on peut. Tiens, on essaye. Pauvre meuf, je vais l'empoisonner, hein, littéralement, mais c'est rigolo. Répétez pas ce que je viens de dire et sortez surtout pas de ça sans contexte parce que je pourrais en dépôt. Faites pas les coups. Mais je veux juste voir si c'est possible en fait. Est-ce que si je lui fais une popo de soin mélangée à du poison, elle va me dire ouais, c'est super. Elle la prend. J'en veux plus. Là tu peux jouer des Game of Thrones. J'aimerais bien. Ça me plairait de fou. Ne serait-ce même que doubler une série comme ça, ça me ferait trop plaisir. Vous avez des contacts dans le doublage, faites-moi signe, j'aimerais trop. Salutations à chimie, j'aimerais avoir une potion pour sentir meilleur, vous en avez une? Je te connais. Je veux un petit Chanel numéro 5. C'est parti, j'ai besoin d'aide. Pardon, j'ai besoin d'acide pour une de mes expériences. Je quitte fou, ça part. Tyrion. Tyrion, c'est je viens de dépenser. Oh pardon, j'ai pas vu. Qu'est-ce que tu veux comme couleur? Le gnome. Ok. Oui, d'autres couleurs. C'est bon, j'ai juste pas fait attention. My bad. Qu'est-ce que tu veux comme couleur du coup pour percevoir ce. Violet, c'est possible. Il y a tout qui est possible tant que vous avez de l'imagination, vous pouvez le faire. Juste violet. C'est quoi sur mon plafond? C'est un plafond magique. C'est comme Poudlard. Évidemment, le grand Slaanesh connu de tous, sauf moi. T'as rencontré Tyr, hein? Tyr. J'ai pas tout le monde. Sale. J'ai pas toutes les refs. Michel, pas la ref. Attendez, j'essaye de voir un petit peu. Celle-là est bien. Il faut pas que je me fasse banane tout mon blé. Je vais éternuer. Pardon. Pas pour moi. Tu peux demander à ton plafond magique de me trouver un mec qui est pas un connard avec moi et qui prend soin de moi. Est-ce que tu peux lui trouver un mec qui est pas un connard et qui prend soin d'elle? Non, il veut pas. Il a dit je peux pas faire. Il a dit je peux pas faire, par contre, je peux amener la bonne ambiance. Je peux éventuellement. Mais ça il fait pas mal. Il est magique, mais peu à voir, tu vois. Tristesse, ça va aller, ça va aller.
pour négocier. Tu joues quoi de bon en ce moment, Suki, toi? Tu es souvent sur Genshin Impact. Je vais voir si Harry Potter est dispo. Au pire, je pêche que le groupe. Bah lui, il a pêché au... Comment elle s'appelle? C'est qui fait Hermione. Merde. J'ai pas oublié. Plus de titres d'ingrédients. Il y a ça. T'en veux pas? Par ta mère. Genshin, c'est vrai que j'ai joué un peu, mais... Potion de rage? Elle veut pas d'ombrer le brumeux. Écoute. Tiens. Après, là, tu t'amuses dessus, je pense. Attendu que tu passes pas un bon moment, sinon tu serais pas dessus. Ils ont pas fait un truc, on carte Star Rain, quelque chose comme ça? T'as pas essayé? Alchimiste, on va parler d'une potion qui enfin, comment dire, facilite les choses dans la chambre à coucher. Ils auraient quelque chose du genre. Ouais, tiens, du Bobani. C'est le meilleur nom pour cette potion. Bientôt 3 ans que je te suis, le temps passe si vite. Je suis si malchanceux. Existe-t-il une potion contre ce problème? J'ai pas de potion de chance. J'ai pas de potion de chance non plus. Peut-être une potion de Dex. Non? Bon merde, mais... Malchanceux, malchanceux en quoi aussi? Moi je. Son charme? Non, bah va chier de ta caisse. Pour mon nez trop petit, existe-t-il un moyen de l'agrandir? Bien sûr. Clique sur ce lien et tu vas t'agrandir de 20 cm en 2 semaines. Ah ouais, c'est naze! J'ai jamais essayé. Ça va, ça va. Agrandis doucement. Alors je dis doucement, en vrai ça passe quand même assez vite. Faites pas trop de compte que là, t'as des dents, commence à dire des papas, des mamans, tu vois. Ça arrive. Ça pousse. Ça pousse. Ah, ça va vite. J'enchantais une armure pour qu'elle protège son porteur contre les poisons. J'ai besoin d'une potion avec un effet similaire pour lancer le sort. Petit poison. Je te ferai voir. Je vais enchanter des bagues pour ceux qui les portent deviennent agiles comme des singes, mais pour cela j'ai besoin d'une potion. Un seul ingrédient. Eh, vous êtes des relous. De ouf. Vous êtes lourd as fuck. Avec quel truc je vais pouvoir faire ça? Un seul ingrédient. Quelle galère. Comment tu veux que je fasse ça avec un seul ingrédient? Avec peut-être ça. Je vois que ça de toute façon donc à un moment donné on va m'emmerder.
Oh, c'est un raid. Oh, G, let's go. Comment ils vont, les gueux de l'Est? Ça va ou quoi? Hello, sorry for bothering you. If you are follower, quelqu'un peut me ban Erratic Drought là, je sais pas quoi. Virer ça de là. Incroyable, la modo, please, pour dégager ça. Bienvenue, Jay. Ah, t'es gueuse et gueuse. Bienvenue tout le monde, comment ils vont? Vous avez passé un bon stream? Qu'est-ce que vous y êtes beau? Merci beaucoup. Le culot, tu sais, genre. Le bot, t'as vraiment cru que je m'étais fait chier à me saper comme ça et à faire une déco comme as juste pour tricher. Au secours, quoi. Trop con, ces bordels, hein. Jure. Ben avant le temps que je trouve. Merci pour le ban, les gars. Comment c'était live? T'étais sur quoi, Jay? J'ai besoin de restaurer mon pouvoir magique, invoquer des démons m'épuise vraiment. Mouah. Boulette. L'autre boulette. Oh. Ah oui, Deep Rock Galactique. Je suis passé en plus tout à l'heure, mais je suis pas resté. J'ai fait un clic, genre je suis resté 2 minutes et j'ai galéré à configurer un truc pour le live de ce soir. Je suis vraiment pas resté, je crois même pas reparler. Bon, c'est sympa, un Deep Rock. J'ai le stress de la page blanche. Ils sont pas loin quand même. Le stress de la page blanche. La lana flore, c'est laquelle? C'est pas compliqué, viens, on fait ça. On vient là. Je pense que je peux la reconnaître, lana flore. Celle-là. Viens. Voilà, tu as ta potion avec du lana fleur. Ça te va? Ah oui, 1470, il est chaud. Je fais gamelle parce que mon écuelle est vide, mon bon gueux, je reviens avec. Sustente-toi bien, mon ami. Que la potée coule à flot. Tu m'apportes des ingrédients. Bichette. Projeté. Ça, je t'achète. Ça, c'est cool. En vrai, ça m'a pas trop mis dans la sauce niveau thune. Ça, c'est quand même bien classe. Ça, j'en achète parce que j'en ai besoin. Ça aussi. Elle va me flaguer tout mon bif. Magiflore. Magiflore, on dirait trop une évolution de Pokémon. Magiflore. Merci bien. Prochain truc que je peux augmenter, c'est la négoce, il m'en faut 10. Yo Théo, ça va? J'ai besoin d'une sorte de potion gluante pour réparer une figurine ancienne qui s'est cassée. De la colle, quoi. À la tête des gens avec des mots complexes, une potion gluante. Je veux juste de la colle, Coraline, voilà. Ça va nickel, ouais. Ça y est, tu t'es un peu remis ton week-end ou en émotion. Un autre alchimiste m'a vendu une potion qui me fait mal à l'estomac et me donne la courante. Une potion qui remplacerait une torche ou une lanterne. Ok. Une lumière. Hop. L'étoile de minuit. J'ai essayé d'apprendre à invoquer la foudre et j'ai besoin d'une potion avec un effet similaire. Tiens, regarde, t'es déjà toute prête à t'attendre. Vous avez vu l'efficacité pour satisfaire le chaland dans le besoin. C'est fou. Donc j'ai fait ça toute ma vie. De la gueuserie. Hip. Bonjour, comment avance vos recherches? Bien. Dégage.
Oh. J'adore ce mot. Merci pour les 1000 bits, Théo. Let's go. Il y a Twitch qui rajoute 100 bits. Théo, par là. Mais saucez-le. Le défoncez pas. Il est cool. Merci beaucoup, mon poulet. 1100 bits. C'est vrai qu'il rince Twitch. Il rajoute des bits au cheers en ce moment. C'est fou. C'est grave bien. Bah, merci beaucoup, poulet. Ça fait grave plaisir. Ouais, ça va pour les filles. Je vais défier un sorcier maléfique. J'ai besoin d'une potion de protection contre sa magie. Potion anti-magie. Hop. Il de là. J'ai été remboursé comme tu peux le voir. Bah ouais, c'est cool, je suis content pour toi. Ouais. Putain, ça aurait été relou que tu te manges la sauce. Quoi. Besoin d'une potion capable de protéger ma peau contre le feu. Ah, au moins. Bah écoute. Non. Je suis ben trop con, l'eau. Ah, je suis naze. Ah, la nasance du type. Je veux un effet multiple. Je vais te faire un effet multiple, mon gars. Regarde bien. T'as pas fini de voir. Flou. Je te le dis. Ah, vous voulez des effets multiples? Oui, mais moi ce que j'aimerais, c'est une potion pour arrêter d'avoir des furons cloqués. Bouge pas mon pote. Bouge pas mon lapin. J'arrive. Non, merci beaucoup. Merci. Ça fait grave plaisir. Ça soutient incommensurable. Je ferais pas mieux que un, hein, de façon que je m'en mets. Hop, hop. Hop. Tiens, jeune chaland, et file de ma. J'ai perdu mon siècle, je peux plus lui mettre mon fou. Ça tombe bien, regarde. Allez. Hop. Il se gare un papy là. Tu sous là. T'as la chance que cela, j'en ai vraiment besoin. Sale vieux relou. Là. Ça peut être paluché dans le bordel du coin. Fumier. D'un temps, j'ai plus envie de faire quoi que ce soit. Je manque d'inspiration. Vous auriez une solution. Oui. Sur l'inspiration. C'est pas. J'ai remarqué que je voyais pas bien ces derniers temps et j'ai peur de devenir complètement aveugle. Il y a une potion qui pourrait m'aider. J'ai un truc, ouais. Potion de vision magique. Voilà. Matin, midi et soir. Pendant deux jours. On va y passer. Protection contre le gel, j'ai ce qu'il faut. File, file, gourmandine. J'ai besoin d'une potion capable de dissimuler l'odeur de mes animaux afin que les prédateurs ne captent pas leur odeur. Quelque chose de nauséabond. Pas plus de deux types d'ingrédients dans la potion si possible. Je perds davantage si cette potion renferme des vertus supplémentaires. Je mets un truc qui pue. C'est-à-dire que. J'aurais pu simplement. Les laisser se traîner dans la merde, mais t'as essayé de payer une potion. J'accepte. Parfois, je manque de détermination pour la combat. Vous posez peut-être une potion qui puisse m'aider. De détermination? Est-ce que tu voudrais pas une potion de furie? Je fais pas en effet multiple, par contre, j'ai la flemme. Hein, 399 sur 500. On va y arriver, les gars. Tranquillement. Ensuite, on va les baisser la répute, on va les vendre au cas des salopards. Ça va être payant au bout. Train de live approche. Hey. C'est vrai que le train de live approche, j'ai l'époque. C'est beau les nouveaux trucs là qu'ils ont fait pour les chats. C'est beau. Un train de live. Salutations chimistes, ça faisait longtemps. Qu'est-ce que. Ouais. Dégage de ma fenêtre. Maintenant. Connard.
Ça pourrait être 200 bis pour le. Je peux juste éviter. Flipper ce con. Oh, il a chez Christo pour rien, lui. Il est pas très agréable, ce bordel. C'est un connard. La dernière fois, il a chié sur le rebord de fenêtre. Au secours. Un bordel, on était à 4 pour déposer le bousin. Laisse tomber. Bah, d'y repenser, j'étais frit, ça c'était dégueulasse. Ah oui, 10 000. Tu ne te mouches pas du coude. Faut pas qu'il chie dans ma passion, surtout pas dans ma passion, dans ma potion, surtout pas. Ah. Je veux un truc brillant pour fasciner vos invités. Invitez-moi. J'ai une potion qui régénère ma puissance magique. Oui, le classique, potion de mana, matin, midi et soir, pendant 2 jours. Je crois qu'on m'a maudit, tout va très en ce moment, je fais rien de bien, je me sens terriblement mal. Alors que je serais aucune maladie. Est-ce que vous avez une potion contre les malédictions? Ouais. Une petite potion d'anti-magie. C'est un pote ouzbek qui m'a appris à la faire. Pas grave, par contre, ça fait péter. Hein. Le chou à côté, c'est que dalle. Je dis ça après, ta bonne femme. Il me tabasse tout mon blé! Arrêtez de me ramener des trucs bien. Je fais que de me faire tabasse. C'est fou. C'est fou. Ma maison est toujours à la merci de nuages sombres et d'éclairs. C'est un vrai malheur. La foudre frappe ma grange chaque coup. J'en ai assez d'éteindre les incendies. Il me faudra une sorte de protection contre la foudre. Ah ma foudre. Dolirume. Eh Barto. J'ai accidentellement renversé de la soupe chaude sur ma jambe. Vous êtes quoi, soigner mes brûlures? Je désire une potion qui ne va pas par quatre chemins. Si elle contient pas plus de 3 types d'ingrédients, je paierai plus cher. Il y en a qu'un. Pile, c'est la popo qui met bien. Salut Baptiste, ça va, poulet? J'ai une potion de protection contre l'acide pour le combat. Il me faut une potion faible. Ok. La dernière que j'ai. Dégage. Je suis quelqu'un sans éveiller soupçon, vous avez une idée. Je peux te mettre en mode Drax. C'est un mec que je vois plus. Mais qui m'avait l'air d'avoir une technique imparable pour ne pas être vu. Voilà, je vends sa transpiration. 700 balles le flacon. N'aie pas peur, ça pique un peu en l'odeur. T'appliques ça sur les roubignoles. Et pouf, tu disparais. J'ai des pierres ici, j'en voudrais plus, mais pour ça, il me faut une potion. On va décaisser une grotte énorme, pleine de pierres précieuses, certaines au plafond très haut, d'autres sur les parois très grandes. Besoin d'une potion pour voler. Tu veux voler, mon lapin? Mais dis donc. Hop, hop, voilà. Une potion d'imposition, on appelle ça. C'est fait par les voleurs. Resto à 19h30. My God. Mange bien pour nous. Remplis ta panse. Do it. Parce que promo qui... Je vais peut-être pas pouvoir tout acheter, hein. Même à la négoce, ça va être complexe de tout acheter. On va déjà négocier ça, mais... C'est pas le salaud. J'ai filé une potion gratos. Tranquille. Je gaffe trop sur les prix. Casse-toi le nez.
Rapia. Je pourrais te construire une nouvelle grange, j'aimerais qu'elle résiste au feu. Ni les bandits, ni le soleil brûlant, ni même les cracheurs de feu ne pourraient l'incendier, c'est possible. Ah, my bad. Tu veux une potion de qualité supérieure. Parce que tu t'es dit que j'allais me faire chier pour un gueux aller faire un truc aussi relou. Et t'as eu raison. C'est exactement ce que je vais faire. Pas pour l'argent, pour la répute. Et tu me débectes parce que t'es bien chiant, du coup. Mais alors, t'es un relou ultime. Ah, le bolos. Ta grand-mère la puterelle. Non, ne dis pas les mamies. J'ai un petit Gremlins là qui est dans sa cage en train de hurler, je sais pas si vous l'entendez. C'est mon petit gobelin. Hein. Je l'ai fait moi-même. Avec un peu d'aide, évidemment. M'a l'air en forme. Hein. M'a l'air en forme. Bien en forme même. Ah là là. Là, je vous laisse. Ah. Let's go. Et là, je vais choper de l'XP, ça. Alors, on focus un peu plus. Ah. Olé. Commencer à tout supprimer, l'F7, c'est tac. Tiens, mon pote, bientôt 500, hein. Ça avance. Ah là, je te jure. Je commence à avoir des rides à un traitement pour éviter que ça empire, évidemment. Je l'ai appelé pot de paix. Casse-toi la momie. J'ai mal à la tête au point de plus pouvoir m'endormir. Vous n'auriez pas une sorte de somnifère qui puisse m'aider? Tu lui fais une blague, tu lui fais une potion de rage. Et tu regardes sa maison brûler au loin dans la nuit. À la con. N'y a pas énorme champignon qui m'intéresse. Cela peut-être. Ah, cela, tu te gaves sur les prix, mon salaud. Hein. Mieux. Vieux dégueulasse avec des mycoses aux oreilles. Ah, chimie, j'ai souvent l'impression que ma vie serait meilleure avec quelques gouttes de chance en plus et sans réserve de la chance liquide. La chance liquide, mais ça existe les potions de chance? Ah, il n'y en avait pas une avec un fer à cheval? Attends. C'est peut-être juste que je l'ai jamais faite en fait. Enfin, j'ai dû la découvrir, mais pas la faire. La chance. Y aurait typo un petit fer à cheval qui se promène l'eau. L'eau. Je l'ai jamais faite. J'ai envie de me couper les bourses. Félix, Félicis. Je parle pas allemand. Vous compris? Non, c'est du latin, je sais bien, mais je n'ai pas compris mon prénom. Félix Félicis. Ich liebe dich. Ich möchte ein Bier bitte. Je sais à peu près mes bases allemandes. Hein. C'est dans Harry Potter. Ah! Ah merde, bah, c'est pour ça que je connais pas alors. Harry Potter, moi. J'ai bien aimé. Mais. Hein, dans l'histoire, c'est pas drôle. C'est que ben moi, je dois avoir pas trop loin de l'âge de Daniel Radcliffe qui fait Harry Potter. Parce qu'on ne dira pas que quand il a fait ses dernières années à Poudlard, moi j'étais plus occupé à chasser. Des bêtises avec mes potes. Et à faire du sport et à faire des trucs comme ça que de mater Harry Potter, donc j'ai pas la ref.
Mais on va l'appeler Félix Félicis. Allez. Ouais. Ça, t'auras mis ta petite patte à l'effigie. Ça va rien dire. Ça va rien dire, mais on s'en fout. De toute façon, c'est juste que t'es kiffé. Là, c'est le coup sur vous, hein. Ok, bro. Désolé hein, pour ceux qui entendent de petits monstres en train d'hurler. J'essaie de lui mettre un collier électrifié, ça ne marche pas. C'est faux, c'est une blague. Commencez pas à appeler les services de l'enfance, please. Laissez mon gremlins. C'était une pauvre vanne. Qu'est-ce qu'il fait, vous avez entendu? Oui. Ah, bien ça. J'ai tellement d'ingrédients. Allez. Put your hands up in the air. Ok. Ils sont déjà sur le coup. C'est ça les gyros devant là? Merde. Je savais bien qu'il y avait une couille dans le potage. On n'est pas surpris, les gens, il faut que de balancer maintenant. Allez. Alors, c'est parti. Un move d'impressionnisme. Merci. Rodriguez, Félix, Félicis. Comme ça? Trop chaud. Et puis on va lui mettre une forme un peu différente. Je t'en pense. Tac. Hop. J'aime bien. Termine la potion. Tiens. 1785. Ah, ça me tenterait de négocier. C'est un traître depuis le début. Il est derrière toi. Ah, vite. Pardon. Salutations chimistes. Aurez-vous quelque chose que je puisse utiliser pour retrouver de l'énergie après un combat? Une manœuvre classique. Un petit sac fraîche. Fais des cauchemars, une potion qui m'aidera à dormir. Oui. À dormir. Une potion faible pour restaurer ses vertus magiques. Bien sûr. J'ai évidemment ce que ça a à faire de faire des potions de merde. J'ai pas tant envie d'utiliser des propos, des ingrédients que j'utilise tout le temps. Déglingue le champignon. J'aime pas les champignons. Hop, il en veut une faible. Hop. On va faire des. Oh, 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 oh. Non, put some respect on Perceval. Hein. C'est mon gosse. Ouf. Peine de vie, cet enfant. Hein. Je jure. Ouais, je vois de la merde, est-ce que tu veux en acheter? Non. Bisous. J'ai besoin de potion pour ma peau solide comme de la pierre. Écoute, j'ai pile poil ce qu'il te faut. J'ai ça, la peau de pierre, tranquille. Et c'est pas pierre l'abbé. Hein. J'ai brisé un vaste trésor rouge, je dois trouver un moyen de le recoller. Tu veux de la colle? Tiens, mon lapin, colle bien. Il donne une potion qui m'aidera à ensorceler un objet pour rendre son porteur plus agile. Mais tiens, mon pote, allez-y, on approche les 500. Qu'est-ce que tu vends? Putain, j'avais toujours besoin de ça. Hein. De toute façon, on n'a plus rien à acheter techniquement. Ah, peut-être des recettes. Donc ce serait peut-être pas con de pas se ruiner non plus. À acheter des merdes qui nous servent à rien. Moi, je pense que c'est bien.
Marché conclu. J'ai besoin d'une potion qui me permettra de neutraliser mes ennemis à main nue. Eh ben, j'ai une potion de force pour toi. Bolo, tac, fil. Un autre alchimiste m'a rendu une potion qui me fait mal à l'estomac. Il me faut une potion aux effets multiples. Ben écoute, voilà. Et en plus de ça, juste pour toi, eh ben, je vais te faire une potion. Quand tu la bois, ça fait fresh. Tu vois ? Tu auras quand même la chiasse techniquement parce que bah, du coup le froid va te défoncer les intestins et l'estomac. Mais tu seras contente et tu m'emmerderas pas trop. Voilà. Il. Alchimiste, je viens pour un problème délicat. Une certaine partie de mon corps est trop grande et j'aimerais la rétrécir. Oui, bien sûr. Tiens. Mais c'est pas moi qui te l'ai vendu. C'est des fous, les gens, ils demandent des trucs de dingue. Je dois apporter quelque chose au village voisin de toute urgence si mon cheval n'est pas très rapide. Oh, j'ai peur de ne pas arriver à temps. Avez-vous une potion pour les chevaux, de quoi les rendre plus rapides ou leur redonner de l'endurance. J'ai un truc qui fait que ton cheval va aller tellement vite que tu vas choper un rhume de culotte. Ça doit être ça, ouais. Frotte-moi l'eau. Hop, on récolte tout dans le jardin. Hop, hop, hop. Allez, je dois passer à 500. Des chansons ont dévoré notre houblon. Que faire? Toute notre récolte est anéantie. Existe-t-il un moyen de faire pousser de nouvelles cultures plus rapidement? Meilleure potion. Et elle veut plusieurs effets. Bah écoute, gain. J'ai ça. Et en plus de ça. Bah ça fait dormir. Voilà, j'ai décidé que ça faisait dormir. Merde. Bon, tant pis, je fais un peu de gâchis. Mais c'est pas grave. Voilà, la meilleure potion. Aux effets multiples. Tiens, va dormir en faisant pousser tes trucs. J'ai une potion qui renforce les capacités de combat. Je vais être encore plus fort et plus rapide. Feuille de vie, j'ai cet ingrédient en horreur. Je vous paierai plus cher si vous n'en mettez pas dans la potion. Donc, tu veux être fort, mais tu veux pas de fleur de vie. Bah, ça tombe bien, mon gars. Il y en a pas. 499. Il me faut une sorte de potion capable de restaurer mon pouvoir magique en cas de besoin. J'ai ce qu'il faut. Tiens, ma loute. Attends, le niveau de popularité est 12. Pourquoi j'ai pas le succès, du coup? Ils ont fait une mise à jour, c'est 15. Je suis dans le mal absolu. Merde. Bon bah tant pis. Hein. Ah, c'était 12 pour... Hein. Papa pour... Papa. Récemment, en laborant mon champ, j'ai trouvé un étrange coffre enfoui dans le sol et je crois que c'est un trésor. Problème, le coffre n'a pas de serrure. Comment l'ouvrir? Boum. Allez. Ça apporte des champignons incroyables. Ouf. Je vais être aussi rapide qu'une tortue. Je paierai seulement pour une potion avec cet ingrédient principal, pyrite tellurique. Son odeur est entêtante. De la pyrite tellurique. Parce que t'as cru que j'allais vraiment me faire chier. Aller claquer des pyrites telluriques dans ta potion de merde. T'es malade ou quoi, toi? File de là. Mes domestiques m'ont dit qu'ils avaient trouvé des scorpions en proximité de mon manoir. Quelle horreur. Avez-vous une potion qui aide à lutter contre le venin de scorpion? J'ai tout. J'ai tout. Mettez-vous ça dans la tête. Même vous dans le chat. J'ai tout. Je peux même te faire du Ricard maison si je veux. Je crée un nouveau sort, mais j'ai du mal à réfléchir à quoi que ce soit. Avez-vous une potion capable de m'aider? Sur l'inspiration. Évidemment. Pour homme. Ça me gratte beaucoup, beaucoup en bas, vous voyez le tableau.
Pimpimou, c'est nocif pour la santé. On m'a dit que les chats pouvaient te voir dans l'obscurité, je vais avoir la vue d'un chat. Bah écoute, t'auras même la vue d'un démon si tu veux, parce qu'avec ça, mon gars, t'as une vision magique. Il. Bon, du coup, je vois qu'on a atteint le niveau 12, mais. Il y a combien de chapitres? Dix. Bon, bah, 9 et 10, c'est pigot, hein. On va finir ça. Sel solaire, œuvre rouge. Allez, on était sur le sel solaire, c'était plus simple. De l'huile, niveau 3. C'est de la niveau 1, c'est relou. Résistance au gel, c'est de la niveau 2. Ouah, ça part bien. Ouah, ça part grave bien. Soleil 3. C'est quand même des trucs que j'ai déjà, parce que sinon je me tire les cheveux. C'est... Non, pardon. Merci. Hop, c'était là. Hein. Je pars vérifier. Bon ben glisse 3 et puis petit gel aussi. Ah oh, j'ai pas l'anti-gel. Quoi? Ah oh, qu'est-ce que c'est relou. Bon ben go. Quel plaisir. Antigel, c'est là. Et glisse. C'est loin? Non, c'est là. Ouais, ça va. Ça va, les gars. On va pas être trop dans la sauce. Mais il faut qu'on fasse ces deux trucs. Allez, hein. On y va. Ça va être plus ou moins par là. C'est un trop forcé. Let's go. On va zoomer pour vérifier qu'on est bien sur la ligne. Et voilà, la vis 3. On l'a. Voilà, mais tout de suite, pour pas galérer. Ok, ça part sur l'antigel. Et par là. Il faudrait que je me sers un peu de ces bordels-là. Je m'en sers pas souvent. C'est bien. On va déjà aller voir jusque là si ça tient. Ça n'a rien vu d'un. Je sais bien qu'il y allait avoir de la daube. C'était sûr. Ok. Donc. C'est juste ça en fait.
Hop, on l'enregistre, on la met de côté parce que sinon on va se retrouver un peu avec des potions de mort là. Je dis ça, mais c'est vrai que les potions. Alors, c'est là où on va commencer à faire des trucs qui vont être trop longs. Trois lumières, un célérité, un éclair. Enfin, un fou. Donc un 3 lumières, il y en a un là. 3 lumières. Célérité éclair. Donc, faut que je parte de là. Bah ça va être drôle, hein. Bon, non, on va s'en servir, je vous le dis. J'ai franchement la flemme. Je vais être très honnête. J'ai pas envie de commencer à devoir taper des trucs. Complètement flingax. De toute façon. Ça, on s'en sert pas souvent. C'est l'occasion. Pas d'en gâcher, mais. Hop. Hein. Et maintenant, on continue de se promener. Et ça. Je pense que on va pas avoir de problème pour finir la potion. Elle risque de déguster vite fait là, mais pas important. Hop. Ici. Ok. Deux lumières, un feu, un explosion, un agrandissement. Alors. Là, on va s'amuser ou pas. Deux lumières, et ben elle va pas tenir la potion. Elle va pas tenir. Par contre, si je mets ça, ça va le faire. Voilà. C'est assez chelou quand même. C'est assez chelou. Quand je vous explique, vous allez dire ouais mais gros t'es un malade et tout. Maintenant, on passe au rétrécissement. Je
pense que c'est les trucs les plus chiants à faire, les sels et tout ça. L'objectif, c'est de faire ça. C'est parti. C'est un peu plus chiant de faire ces potions-là, je pense que vous en pensez. Ok. On a tout le côté droit qui est fait. Il reste 4 potions. Potentiellement faire celle-là, celle-là. Deux lumières, un poison, un feu. Poison, feu, deux lumières. C'est franchement pas galère. J'ai l'impression que si je fais ça, j'ai bon pour faire le coup. Ici. Il y a peut-être deux lumières, c'est peut-être là où c'est un peu non. On va faire comme ça. Ça, ça sera un peu moins galère. D'ailleurs. J'ai plus dit ça. Peut-être là, je vais venir là. Et vu que je dois faire deux, je fais ça. Deux. Alors, c'est laquelle? C'est celle-là. On vérifie. C'est ça. C'est joli les couleurs, là, moi, je trouve. Ok. Pour lumière. Trop lumière, un chance, un rajeunissement. Je vais juste vérifier si je peux pas le faire dans l'huile, parce que. Lumière, trop lumière. Y a de chance ici. Y a pas de chance, c'est sur l'autre pompe forcément. C'est trop. Trop lumière, ensuite que je reparte par là, que je fasse chance, et après que je redescende. Je vais me faire. Et ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Paf. Ok. C'est clos, hein. On va aller chercher le champ, ça va. Je m'en sers pas beaucoup de ces champignons là, c'est pour ça que j'en ai quitte à faire des détours. C'est surtout.
pas trop galérer. Allez, on va faire un petit tour. Je veux aussi choper 10 points de perks. Négocier des meilleurs tarifs. Aux marchands. Parce que alors, ce sera quand même plus cool de payer moins cher les ingrédients. Et de me faire payer les potions plus cher. Un peu casse couille des fois des marchands. Ils sont un peu relous. Et ça peut. C'est dur de prendre de l'XP maintenant. Et où est-ce que je passais? À gauche. Je propose c'est qu'on fasse toute la route. On la pré-shot. Ça va pas délire. Après les champignons là, ils vont bien prendre ça. Il y a des gens qui sont hypés un petit peu là par le jeu Jurassic Park Survival. Là. Ça m'a chauffé de fou. Mais j'ai un peu peur que ça soit de la merde. Ça me fait flipper quand ils touchent à une licence que je surkiffe. Mais j'annonce que bon, je le ferai quand même un autre truc et que ça va être des one. C'est sûr, ça part dans une préco. C'est chaud, Thomas Marco. En vrai, de vrai, il a l'air incroyable, mais putain, j'ai peur qu'il fasse de la merde. Parce que... Et bonsoir, ça va, mon Marco? Bah, figure-toi que Jurassic Park Builder, je vais pas me plaindre. Aujourd'hui même, gros, Jurassic Park, enfin, Jurassic World Evolution, là. Les éditeurs ils m'ont envoyé le jeu plus tous les DLC pour le faire en live, pour le tester. Donc je te cache pas que je suis pas mal content d'avoir économisé 160 balles de jeu et de DLC. Tu vois. Ça c'est lourd. J'espère qu'ils vont faire pareil sur le survival. Tu vois. Ça serait cool. D'ici là, si on arrive à faire grimper la chaîne, ça serait magique, putain. Mais ouais, ça a fait du bien de ouf, hein, parce que c'est pas donné Jurassic World d'évolution. Hein. Je Pixamer Pixamer Oh relou celui là-bas. Vas-y, deux mana.
Ok, il faut commencer par man. C'était ta journée, gros. Mais en vrai, je trouve que... Franchement... pas dégueu, quoi, ça. Jurassic Park, je veux dire. Enfin, Jurassic Park, les deux. Ah oui, entre un jeu où t'es dans un parc et un jeu où tu crées un parc, je suis pas absolument d'accord qu'il y a un mot. Ouais, carrément, carrément. On est pépouze aujourd'hui, c'était pas trop la violence. Hein. C'était ça. Hein. Pas du tout. Pas du tout, c'était explosion soleil. Et là j'ai fait feu. Quel connard. Super. On va essayer de pas gâcher, on va aller choper les points d'XP comme ça. Mais il y a quoi comme gros trucs qui ont été annoncés au final au Game Awards? Parce que j'ai même pas vu d'image. Je vais pas mentir, j'ai raté la quasi-totalité des Game Awards. Enfin, la totalité. Quasi la totalité. Donc, il y a plein d'infos que j'ai pas. Mais je pense que j'ai entendu parler d'un Monster Hunter World 2. J'ai entendu parler de Jurassic World, Jurassic, mes couilles, je parle. Quoi d'autre? C'est ça. Et j'ai pas entendu parler de beaucoup de trucs, à vrai dire. Ouais, je suis un peu dans le flou. Je sais que toi t'as suivi peut-être les Game Awards de Marco. Ça va me dire un peu ce qui s'est annoncé de joli là. C'est pas ça que je veux faire. Y a pas eu d'annonce de baiser? Je sais pas. Et je mais bon, ok, il m'en manque une. Feu, soleil, invisibilité, grandissement. Feu, soleil, invisibilité, grandissement. Déjà rien que ça. Le soleil invisibilité hier. Invisibilité grandissement. Ah, peut-être moins de la fin avec de l'huile et inspiration. Inspire, y a pas. Ah, c'est chaud, base eau du coup. Donc, feu, soleil, grandissement. Il faut venir chercher invisibilité et inspiration. Ah, c'est la merde. Ah, j'ai une mort absolue. C'est...
Merci à tous ceux qui sont en train de mater le live. Merci d'être là. C'est cool. Ils ont pas annoncé un Resident Evil 9 là. Moi j'en ai entendu parler, mais il y avait rien d'officiel quoi. Bon. C'est pas possible que je courrais après non plus les Resident Evil, comme diraient les groupes puristes. Du truc. On reste sur des rumeurs, bah, de toute façon ils vont forcément nous prendre un truc. C'est Capcom, tant que la machine Afrique elle marche, on prend. Ce serait logique. Ensuite c'est invisibilité. Village que j'ai bien aimé, mais j'ai pas fait le DLC de Village. Pas qu'il y a un moment un peu badant, je crois, avec des poupées ou je sais pas quoi. On va parler d'un truc comme ça, je crois. Des mannequins de con. Ouais, c'est genre les mannequins où si tu la regardes, ils bougent pas, et si tu la regardes pas, ils se barrent en courant, ou je crois il y a un délire comme ça. On va parler d'un bordel. Oh, ouais. En moins. Ouais, je me suis mis à... un petit stress là. Invisibilité. Et la flûte, c'est ça. Hein. Visibilité et la flûte. La harpe. Oh. Désastre. Visibilité. C'est ça, ouais. En vrai, ça doit être cool. Hein. Mais c'est pas pris d'un SCP, ça. Y a pas un bail avec un SCP qui fait ça. Après, les SCP, il y a tellement... Dommage que ça soit pas un poil plus connu d'ailleurs, le SCP. Je trouve ça vraiment simple. La statue. Je crois qu'il y a un bail pareil dans Lethal Company maintenant. Dans Lethal Company, je l'ai. Si jamais il y a des gens qui sont chauds pour en faire à l'occasion. Vraiment chaud d'essayer, ça a l'air de bien être cool. Bah écoute, si à l'occasion c'était chaud à en faire, moi je dis pas non. Hein. Il y a des autres gens dans le chat qui seraient chauds à en faire. Si on est deux, c'est vrai que c'est peut-être un peu lourd. Ouais.
Tu me dis. Désolé, j'ai entendu un bruit de fou, je croyais que c'était la petite qui était tombée ou. À deux, c'est trop dur. Ouais, bah oui, je me doute. Mais je veux de monter une équipe, moi. Le jeu, il est pas... Il est rigolo, quoi. Il y a plein de gens qui jouent. Ça parle. C'est le solaire terminé. Let's go. Maintenant, faut que je fasse l'œuvre rouge. Ça, c'est, j'ai besoin de l'œuvre jaune. Je vais essayer de tout faire en tribu. Ok? Parce que soyons logiques. D'accord? Faire une œuvre rouge. Enfin, j'ai besoin de faire une œuvre rouge. Mais ensuite, je vais devoir faire la pierre philosophale. Donc je vais devoir me servir de l'œuvre rouge. D'accord? Sauf que l'œuvre rouge, on va me demander de m'en servir. Faire du sel vital. Mais j'aurais aussi besoin de faire du sel solaire. Nécessite la même chose que l'œuvre jaune. Donc faut que je fasse. Trois œuvres jaunes. Même quatre en fait. Faut que je fasse tout quatre fois. Ça part, hein. On va se faire du stock les gars, moi je vous le dis, ça chie. Bon. Poison force, peau de pierre, de dos, limace. Poison. Force. Dodo. Je ne me souviens plus. C'est trop long, on est bon. Peau de pierre, limace, c'était ça que je cherchais. Peau de pierre. 1, 2, 3, 4. Ça marche. Dégage de là, s'il te plaît. Limace. 1, 2, 3, 4. Ça part. Du coup. Poison. Force. Dodo. Force, peau de pierre, limace. Force, pierre, limace. Dodo, poison, force, pierre, limace. Hein. Dodo, poison, force, pierre, limace. J'ai confiance en moi. Je vérifie pas. Ok. Poison, dodo, force, peau de pierre, limace. Comme ça, on a 4 œuvres noires. On est bon. Maintenant, on a besoin de 2 œuvres jaunes, 3 œuvres jaunes.
Peut-être 5 même. 1. Est-ce que ça sert à rien dans la logique? Putain, j'ai du mal, les gars. L'œuvre jaune, je l'ai fait. Je passe une œuvre rouge. Ça. Hein. Bon. Tout ça. 1. Et 2. Sauf que. 3. 4. 1. 1 qui va faire 1. Pour refaire. Un deuxième. Un troisième. Un quatre. Non, 4, c'est ça. Je crois que je me. L'œuvre blanc. Gel 3. Dextérité 3. Gel 3. Gel 3. 1, 2, 3. Faire ça comme ça, il ne faut pas chier. Je pourrais faire ça pour les présenter un petit peu. Ils font tout le temps dans l'inventaire. Donc gel 3. Dextérité 3 et emploi 4. Dextérité 3. C'est ça, non? Ensuite. Célérité. Niveau 3. Et emploi 4. Mana. Mana 3. Il m'en faut 4. Et ensuite, invisibilité 3. Il m'en faut 4. Et là, après, ça devient de la merde. Après, il y a la potion de brin là. Dextérité, célérité, charme, invisibilité, nanana. Hein? Ça, j'en ai 4, c'est ok. Bon, du coup, là, ça, c'est bon. Il faut ça maintenant. 4 fois 3 de célérité et 2. Donc, 3 de célérité. On va venir ajouter 2. C'est galère un peu. Hein. Je vais voir ce qu'il faut pour le faire, je pense. Juste pas que je m'embrouille. Et 2. Hop. De enregistrer la recette et du coup ça on va mettre ça ici. Yo Padre, ça a été cet après-midi? Terminer la potion. Ouais. Bon mana, un charme. Un vol? Ouais.
Romana a un charme en vol. Tu rentres à quelle heure? Et toi? Combien de temps ça a duré leur truc? J'ai vu Lana dans l'après-midi, elle m'expliquait du coup. Je me demandais à quelle heure t'allais rentrer, je sais pas combien de temps ça dure leur bordel. T'arrives à 16h, c'est ça? Ouais, bon, ça va. 3h, ça va, c'est rapide, quoi. Efficace! Efficace, les animaux. Envoie une photo de ta tête, là, que je rigole. C'était celle-là, et du coup maintenant, invisibilité, mana, dextérité. Invisibilité, c'est là. Donc, je disais invisibilité, mana, dextérité. Yes. Yes. Du coup, t'as plus rien, ça y est? C'est quoi? Picable. Chier un peu.
là. Et donc ça fait... Parfait. Maintenant, c'est là où on s'amuse. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Putain, cochon de merde. X, non, c'est là. C'est là. Celle-là. Je suis bon. Et une œuvre noire, forcément. Ok. Putain, c'est prêt tout le monde. Yes, j'arrive. Putain, la prise de tête. Le bordel n'est pas croyable. Ça. Mana et ça. Bon, partout. Bien le bonsoir, monseigneur. J'arrive dans 2 secondes, je m'en vais récupérer mon écuelle. Casse-toi le chat ou je te... Arrête dans mon mardi, hein. Je me dépêche, j'arrive. Ça, mon Tony ? Tu as un compte de bon ? Je me dépêche. Diablo 4 depuis 4 mois. Diablo 4. Diablo 4, j'ai pas... Un connard, hein, je l'ai. J'ai pas encore joué. Je suis doublement un connard, j'ai oublié un truc. La baguette magique. Désolé les gars. Bon, je vais manger ça. Ah! Je vais me cramer avec une goutte, on va pas manger.
Belle. Tac, tac. Bonne célébrité. Visibilité. Le bordel. Visibilité chelon. En train de faire fou euro blanc. Alors, Gen, Mana, celle-là, célérité, invisibilité. Ah, j'ai inversé mana et invisibilité. Ah. Mana. Le bordel incroyable. Non, c'est pas celle-là. J'ai déjà mis ça, j'ai eu peur. Qu'est-ce que vous mangez de bon ce soir? Ouais, toi, Souko, on sort une petite pizza au fromage avec un petit peu de légumes pour ma semaine. Oh, bon appétit. Alors, 4 popos de lumière. Bien. 4 popos d'explosion. De feu. Quatre popos d'agrandissement 3. J'ai ça, moi. Quatre popos d'antigel 3. Et là ça va, c'est ok. T'as fait ta valise de vêtements, je trouve qu'il me reste juste une petite vérification, je peux approuver un 2, tu peux acheter ta copine Fernwine. Oh, let's go, je copie jamais, tu fais même nouvel an. Trop bien. Alors, 2 anti-feu et 2 anti-gel. Sur une base d'huile. 2 anti-feu, c'est là. Et 2 anti-gel, c'est là. Il y a un moment qu'on n'avait pas fait des petites potions. C'est un peu de la merde.
Ouais, tu m'étonnes, ça devait être trop loin un peu, ouais. Malheureusement, des fois, on n'a pas le choix que de se les taper ces saloperies là. Des fois, en fait, on a juste pas le choix. C'est loin d'être que des fous. T'as jamais le choix. On est perdu par ça. Oh, let's go. Merci Fribaloche pour le raid. Comment ça, Bélon? Il est là, l'animal. Salut tout le monde, jeune gueuse aux aigus. Ouais, j'avoue que après, quand on a trop, c'est abusé. Moi, je pense qu'ils essaient surtout de checker si c'était motive ou pas. Ça, là-dessus... Comptez sur eux, bienvenue les gens. Qu'est-ce que tu faisais de bon, poulet? Hunt? J'ai un modo qui pourrait me faire un shout-out, si vous voulez. C'est vrai que tout à l'heure, je sais pas si on avait un pour J. J'ai un peu perdu l'habitude de ce truc-là. Mais si un modo peut me faire un choupou, s'il vous plaît, à la mifri baloche, ce serait fait. Déjà fait? Let's go. C'est vrai que désolé, tout à l'heure, si on a eu un... J'ai, sur mon affichage, j'ai plus en fait ça. Je vois pas ce truc là. Des bonnes games de Hunt. Nice, nice, nice. Je suis en train d'essayer de terminer le jeu là. Pas évident du tout. Je suis en train de faire saucer le Piakos. Ouais, c'est ok. Je râle. Non. Si je fais ça. Oui. 2-2. C'était ça, hein. 2-2. Parfait. Terminé. Enregistré la dernière recette. On y va. Elle est là, du coup. 2-2. C'est celle-là même. Ouais, il est cool, J. Il est cool, J. Pas d'outil, je valide. Ah oui. Si on est quand même vachement pas le chou quoi. Prends pas la tête, trop chiant. Non, c'est relou. On fait pas ça. Ah ouais, j'ai déjà essayé, c'est chiant ce. Maintenant je fais plus. Tout ça. Il n'y en a pas de problème. Je viens. Pas de dard tenté. Ah ouais, non. Ah, il est grave cool, Jim. C'est un bon. Il faut pas le dire, sinon il pourrait prendre le melon. Faut pas le dire. Moi, je dis rien aux gens de toute façon. Non, je les fais pas, ils se voient. C'est mieux. Ouais, lui, c'est de toute façon. C'est très bien ce que je pense de lui. Pourtant, je mens pas, moi. Bon, je suis en train de faire des œuvres. J'ai sifflé.
Merde. Pardon. Pas attention. Non, c'est pas moi. Deux antigel, deux agrandissements, deux feux. Les gars, on est sur un jeu où je suis en train de me casser la tête. Deux feux, deux antigel. Non, deux. Voilà, c'est ça. Deux antigel, deux agrandissements, un feu. Un feu, deux antigels. Ok. Un feu. Un feu. Un feu. J'ai un acouphène, je préfère si je me trompe pas. Non. Peut-être ça, ça, ouais. Les acouphènes, c'est. Je sais pas si c'est spécialement. J'en ai jamais eu, moi, je crois. Hein. Avec la musique. Ah, normalement, en fait, je crois que c'est ça dure plus, ça dure longtemps. J'ai pas de conneries. Oh, attends, attends. Bah voilà, c'est de la merde, je savais que c'est de la merde. Moi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, genre je fais méga gaffe à mes oreilles depuis que je me suis rendu compte que j'entendais vachement moins bien quand même. Ça propose dire le mec qui écoute du métal, il doit s'éclater les oreilles. Pas du tout. Les sons vont vraiment pas très fort. Il y a des chances que ce soit l'âge, effectivement. Que je m'assagisse. Mais ouais. Toujours. Avant, j'écoutais tout très fort. Je me rends compte que tu n'entends rien de ce qu'il y a autour. Je préfère être alerte. Jamais. Je me dis toujours, imagine, ma femme, elle m'appelle. Elle se sent pas bien, elle fait un malaise. Genre moi, le bébé, il y a un truc qui va pas, faut intervenir vite, puis j'entends pas qu'on m'appelle. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Je ne sais plus ce que je faisais. Un feu, deux antigels, deux agrandissements. Et puis en vrai, ça me casserait les couilles. Hein. De me retrouver juste sourd, quoi. Je kiffe tellement la musique, ce serait trop court, plus jamais en entendre. Donc bon, j'ai décidé d'arrêter d'être con. C'est pas si évident que ça, hein. J'ai dû faire beaucoup d'efforts. Hein. Ah, puis malentendre, c'est relou.
veux. Deux antigel, deux agrandissements. Il est où l'antigel? Nasse de ouf. Je suis naze. Mais pourquoi je fais de la merde comme ça là? Énorme, ça me saoule. Je fais trop de la merde. C'est naze. Écoute, santé, bonne rasade. J'ai envie de te dire, calme-toi bien le gourzi. Je suis désolé, je suis archi focus parce que elle me prend la tête cette potion de merde. Je vous jure que c'est vrai. Il m'en reste une. Bonne affaire. Je suis en train de manger ma tartiflette en même temps là. Mais c'est nappe. On galère de ouf. Merci. Désolé. Je viens d'en manger une aussi. Parce qu'on est deux hommes de goût. Ça se règle. Deux lumières. Un foudre. Un mana. Un agrandissement. Il n'y a pas mana ici. C'est réglé. Le foudre. Un mana. De lumière, foudre, mana, agrandissement. De lumière. On va faire foudre et mana. Hop. Poudre.
C'est qu'en vrai, j'ai même pas hyper faim. Aujourd'hui, je suis pas. On va chercher de lumière. Et l'agrandissement. Important, c'est de lumière. Ah, t'as voulu flex avec ta tartiflette. T'as vu comment t'as été prêt à ton propre jeu. Et ouais. On m'a toujours dit que ça se faisait pas de flex sur une tartiflette. C'est comme flex avec une Rolex, tu vois. À un moment donné, on sait que ça défonce, pas besoin de flex. Je suis quelqu'un d'humble. D'ailleurs, avez-vous vu mes nouvelles burnes en or? N'est-ce pas? Ouais, je suis flexitarien, j'aime flexer. Je me nourris de flex. C'est ça le flexitarien. Non? Je suis totalement à côté. À côté. À côté. C'est moche les Rolex. Oh, il y a des belles montres hein, quand même chez Rolex. Je suis pas fan de montres et même moi je trouve qu'il y en a des belles. Est-ce que t'aimes les montres en général? Parce qu'en vrai, moi, flex avec une Rolex. Je vais pas jusqu'à dire que c'est parce que j'en ai pas. Hein. Si j'en avais une, je pense que je la mettrais quand même. Et un malou. T'aimes pas les montres, là. Ça aide à pas aimer les Rolex. Moi, j'aime pas spécialement. Je trouve ça beau, mais je m'intéresse pas. Genre. J'aurais pas spécialement de problème à flexer avec les Rolex. Mieux de flex des succès Steam. J'en ai fait 16 000 cette année. C'est pas pour flex, mais bon. J'ai quand même pas mal la moyenne. Ouais, la moyenne est à 16. J'ai ri ma race quand j'ai vu ça. Je sais pas, ouais, merde. La moyenne, c'est 16. Combien? Je sais pas si vous l'avez ce même. Combien? Mais ça me fait rire à chaque fois.
moi je comprends. Deux flex à un, on a fait. Ok. Qui laisse ça devenir au bras. J'ai failli t'en donner un troisième. Deux points ? Avec quoi ? Moi, je flexe pas de ouf, moi. Flexe ça, arrête de flexer, frère. Arrête, dis. Trois soins et après deux forces. Ok. Je t'aurais probablement sorti ça, ouais. C'est vrai. Hello Bocal! Comment vas-tu? Oh, elle s'est enregistrée dans le tas là. Allez. Faut de bordel aussi là. Arrête. Comme quelqu'un qui se réveille quasi 24 heures de dodo, je comprends pas, j'ai que 25, les pas des loin, pourtant pas tant hein. Et bah Goulou me fait rire à chaque fois m'appeler comme ça. Oh putain, ça va être au beau gosse. Putain, je suis en train de chercher, tu pars sur Tronen. Liberty. Je vais jamais retenir ce jeu de mort là, c'est un truc de ouf. J'ai envie de me péter les potes quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Bocal, il va te répondre. Et c'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Les gars, faites un effort, juste à cliquer sur le pseudo. Après Viking, il y a prescription parce qu'il s'était fait. Enfin, il avait eu un unfollow sauvage.
J'ai la flemme. Vraiment. Trois libido. Ok. Ensuite ça. Et la dex. Là et ensuite dextérité. Ouais, ça fait un petit bouquet là, bocal. On peut pour s'en débarrasser, mais... Donc 5 recettes. On va faire une journée de taf en vrai. Chose qui pourrait m'aider à me détendre. Je suis malchanceuse, existe-t-il une solution? Oui. Ça. Il. J'ai un énorme pif. J'ai besoin de mort au rat. Alors, qu'est-ce que tu vends toi? C'est beaucoup trop plaisir sur les prix, dégoûte. Quand tu vois ce que je lui crache à ce chacal là.
À chaque fois qu'il passe, je lui cale du bif. C'est de l'excès de fou. Il bouge. Potion qui permettra de voler. Ma police, je trouve trébuchon. Ouais, d'accord. Il a un cheval con. Agressons même et me regarde même pas. Pourriez-vous m'aider? Ouais. Il veut retrouver l'énergie après un combat. Il est mémé. Allez. J'ai une potion qui m'aide à mieux esquiver les coups en plein combat. De dextérité avec T-Rex qui crie derrière là. Ma vue n'est plus ce qu'elle était, vous êtes quoi l'améliorer? Il y a une potion faible. C'est pas un rôle. Et Jester là, c'est pour ça que Bocal il est arrivé. Parce qu'aujourd'hui Bocal il va me sortir le... Ah ouais, mais je peux pas en fait. Vas-y Vocal, annonce tout de suite la couleur. Il y a Dark and Dark. Du coup, tu vas vraiment sur Dark and Darker? Ok. Soit ouais. De toute façon, je pense que je vais pas mal squatter dessus jusqu'à le... Jusqu'à le plier. Pas spécialement envie d'aller sur Dark and Darker, je peux pas te dire. J'ai envie d'avancer sur la Moria. Je joue comme un agneau. Parfois, je me retrouve dans des situations où je dois me défendre. Mais je n'y arrive pas. J'aurais de quoi m'aider à devenir furieux dans le feu de l'action. Ouais. Tiens. Ouais, je vais réfléchir. Vas-y, j'ai un quart d'heure pour prendre des décisions. J'ai fait plus d'enchantements que d'habitude ces derniers temps, j'ai épuisé tout mon mode. Potion explosive. Ouais. Potion d'inspiration.
Ça, j'aurais pas peur de jouer aujourd'hui. Clairement pas. Par contre. Dégage. Un truc anti-âge. On va acheter ce qui nous sert. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Field? Le drac sorcier qui aime transformer ses ennemis en stalactites. Avez-vous une protection contre ce genre de magie? De l'antigel? C'est bizarre, on dit comme ça, j'ai l'impression de lui vendre un truc pour dégeler son pare-brise de bagnole. Potion qui renforce le désir. Le charlon en bâton que l'énergie de la foudre dans un coin de potion qui ferait l'affaire par hasard. Qui a posé un béchel normal, pardon, je viens de poser qui génère ma puissance magique. Il veut du mana. Et l'autre jour, j'ai épuisé tous mes pouvoirs magiques en affrontant un sorcier magnifique pour me donner une potion pour le restaurer. Test bien. Et des animations en bits aussi. Plusieurs. Je les avais notés. À 69, à 100, à 150, à 200 et à 250. C'est des nouvelles animes aussi. Je dis sans boring. Qu'est-ce que tu vends? Passe de paix. Il me plaît quand il me ramène ça. Dégage. Un seul type d'ingrédient. Beaucoup qui met bien. Je crois que tu... Popo capable de protéger sa popo. Contre le feu. Tiens mon gars. On aura des nouvelles. Mon bâton n'a presque plus aucun point d'enchantement et j'ai besoin d'une potion capable de le restaurer. J'ai une potion faite à partir de deux types d'ingrédients. Rien de plus simple. Ok. Deux types d'ingrédients? S'il y a un type. Il va me casser les couilles, vous croyez? Il y a un truc que j'ai en masque que je ne sers jamais. Bien sûr. Ces derniers temps, je suis pas dans mon assiette, j'arrête pas de tousser, j'ai mal au crâne, pour vous m'aider à me soigner. Je mets bien en une. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut encore des champignons. Le chat est chiant. Sache-le.
T'es relou. Pourquoi je fais ce bruit-là, je sais pas pourquoi. J'ai besoin d'une potion qui rend fort. Et là, oh. J'ai besoin d'une potion palpitante concernant la fraîcheur de la viande, des légumes et d'autres types de nourriture. Ouais, ça marche, vas-y, vas-y. Pas plus de deux types d'ingrédients. Je propose ça. T'en veux pas? Ta mère. La chimiste des ravis dans notre entrepôt de provisions, nous devons les empoisonner. D'une potion qui peut m'aider à éteindre un incendie dans ma maison ou un feu dans mes champs. Bah, quand il veut, je dirais. Je m'en vais Piotax, je ramène ma bouffe parce que j'ai pas beaucoup mangé, je suis pas très faim. Bah écoute, dis-moi quand t'es revenu, Bocal, tiens. J'attendrai que tu sois revenu. Enchaîner. Alors, les chalands, let's go. J'ai besoin d'une potion qui renforce mes statistiques de guerrier. Force. Yes. Hop. J'ignore pourquoi, mais la nourriture se gâte incroyablement vite chez moi. Est-ce que vous avez une potion qui aide les aliments à tenir plus longtemps? Ouais. La chimiste des potions de relaxation. Oh pardon. Des potions de relaxation. Oh. C'est la première fois qu'on me demande une potion d'hallucination. Je crois qu'on m'a maudit. Tout va de travers en ce moment. Une potion contre les malédictions. Mais bien elle veut un chi, bachévi. Ah bah non, 4, et bah voilà. D'où les gens sur sur Facebook. Mort. Et puis ces derniers jours, mon mari n'a pas sorti le bois de chauffage à temps. En conséquence, le bois est humide et ne brûle pas. Ils sont mignons, les gens. Dégage. Charme. Très anxieux, ça m'empêche de dormir la nuit. Avez-vous des calmants? Jeanne, clairement. Le chat, tu me brises les couilles. Et de là. S'il coince le dos, il se fait mal. Eh. Je sais quoi.
truc qui l'aide à mieux manipuler son arme lors d'un combat. Je suis en train de manquer d'un truc. Faut que la vendeuse d'herbe elle arrive parce que ça va pas le faire. Je vais être emmerdé à mort si elle m'en vend pas de là comme ça. Ah, lui, il y en a. Ok, let's go. Il sauve le cul. De ouf. Il vend des cristaux. Ouais. Cristaux, je prends tout. Okay. Trop cher. J'en ai déjà trop. J'en ai déjà trop. J'en ai trop. Ouais. J'en ai jamais trop. J'en ai jamais trop non plus. Ça me sert quand même pas mal. Le reste, je m'en siphonne le cul. C'est pas dégueu. Je vais élaborer un plan pour combattre un monstre, mais rien ne me vient à l'esprit. Que puis-je faire un chimiste, existe-t-il une potion qui pourrait m'aider? Inspiration. Il. Une potion qui remplacerait une torche, une lanterne, je vous perds absolument si la potion est excellente. Eh ben, tu vas raquer, moi je te le dis, je fais que des potions excellentes. Dégage. Je vais apporter un sorcier, certains racontent. Qui peut invoquer la foudre. Et je veux de la protection pour sa magie. Voilà. Ça file. Je trouve mon nez trop petit. Bah, t'es bien le premier mon gars. Alors toi, sauve-moi la vie. Putain, non, pas s'il me faut. Charon. Je suis deg. Ah, je suis trop deg. Gaffe sur les prix, c'est chaud. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. C'est le temps de la banane. Hop. Alors, allez, il veut se protéger des moustiques venimeux, le pépère. Let's go. J'ai ma tête au point de plus pouvoir m'endormir. Un somnifère pour la dame. Tiens, je vais refiler des potions de destination. Que ça, ils n'arrivent toujours pas à dormir, mais ils s'embêtent les couilles. J'ai trouvé mon équipement l'autre jour. Maintenant, je dois lubrifier les mécanismes. Vous avez quelque chose pour l'aider? Il. Potion de combat lancée sur les ennemis qui se trouvent à distance. Potion d'explosion. Très bien, la potion d'explosion. Ça leur pète à la gueule et tout. C'est nickel. Chier. Une potion qui renforce le désir. Le désir. Libido. Hop. Bois bandé. Ok. Potion de mana. Bah. Déjà fini la journée. Ok. Je finirai demain les pierres et les sels et tout le bordel là. J'ai besoin d'une potion qui m'aiderait à couper du bois à longueur de journée sans fatiguer. Potion de force, meuf. Paf. Biscotto et tout. J'ai reçu une livraison de bois de chauffage, mais l'humide et brûle pas. Une solution pour le sécher. On met le feu. Comme ça, t'as pas d'embrouille. Protection contre la foudre pour un jouet contre un mage maléfique. Et également cet ingrédient. Maragarite. Maragarite. Ah bah d'accord, rien que ça. Maragaric. C'est ça. Et veut de l'antifoudre. Avec ça. Et... Hop.
On m'a parlé d'une potion qui facilite les choses dans la chambre à coucher, ça a quelque chose du genre. Le bois bandé. C'est que je joue plus celle-là. Le petit vieux qui vient de voir en disant bonjour, vous voulez des champignons? Vous voulez des champignons? La fête. La fête les jeunes. Hop là. Aïe 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 aïe. J'ai accidentellement renversé de la soupe chope sur ma jambe. Cette potion est brûlure, ouais. Une petite potion qui met bien. Hop. À mes chevaux, au participer à une course. Cherche potion avec des effets additionnels. Il veut sauter par-dessus les obstacles plus facilement. Il veut un truc avec des effets en plus, mais j'ai la flemme. Ah, tu veux de la dex. Protection contre les coups dans un combat rapproché. Coup de fer. Je veux les yeux d'un faucon. T'as déjà les yeux d'un vrai con, mon gars. Pas beaucoup de vexé. Potion pour corriger sa maladresse. La dextérité. Une potion de bien-être. De bien-être. Ah, tu vas avoir des alus. Ça me tabasse leur truc durant la... Ouais. Mais de quoi je veux parler? Ils sont dégueulasses. Et le Ning. Le Ning, il a de quoi mettre bien là. J'avoue, c'est rush là. Ouh, j'ai fait une boule est. Oh, j'en ai fait deux, ça va être chaud. Bah non, en fait, je peux pas. Hein. J'ai besoin de colle. Il veut de la colle. J'aimerais une potion pour améliorer ma libido. Bois bandé, je donne une potion qui peut m'aider à éteindre un incendie dans ma maison ou un feu dans les champs. Ombrelle brumeuse, je dois en avoir de toute façon. Hop, more. Paf. Potion qui va aider à repérer les lapins très loin. Allez, qu'est-ce que tu vends? Oui, c'est ça qu'il me faut. J'étais pas spécialement obligé de tout acheter. Ça par contre de fou. Et... ça se passe pas bien. Ah mais qu'est-ce que je fous? Mais qu'est-ce que je fous? C'est rempli quand même. Plus cher au secours. Bon, vocal. T'es prêt? On va y aller. C'était un étang, je peux pas de faire quoi que ce soit, je manque d'inspiration. Vous auriez une solution? Saute d'un pont, j'en sais rien. Herbe à flamme.
GH et l'autre ça. Potion qui va aider à se cacher des bandits. Protection contre le gel. Un appât fétide. Un appât fétide. Potion pour voler par-dessus un ravin. Oh, j'ai la flemme de refaire un coco pour j'en ai une de prête. Hein. Ça dégage. La coupe bocal. Moi je suis chaud à aller sur Return to Mario. Sauvegarder. Hop, écraser la petite. Oui. Let's go.